Bonjour. Bonjour. Vous le vendez combien, s'il vous plaît? 3 euros. Vous en avez d'autres? Non, c'est le seul. Non, pas plus que ça. Ce sont des jeux que je possède déjà. Et moi, c'est de la PS2, donc tu sais ce que j'en pense. Ouais. Attends, c'est quoi ça? Alors, la barche, une DS. Elle est dans un carton. À tout hasard, vous avez des jeux qui vont avec la DS? Non. Il y a une Nintendo dedans. C'est juste le jeu. Qui... Ah, ben je les ai laissés à la maison. Ouais, une prochaine fois, c'est pas grave. Bonjour. Vous la vendez à combien? Je sais pas. De quoi? La DS. Mais j'ai pas mis la DS. Si, là, il y en a une. Ah, bah, ben, c'est une erreur alors. Bien regarder à tout hasard. Merci. Vous les faites combien à peu près les jeux? 3 euros. 3 euros? C'est sous là, 4 euros, je crois. D'accord. C'est le directif de mon fils. Oui, il n'y a pas de souci, je peux comprendre. Tout ce qui est DS peut-être ou j'ai pas. Pas de DS. Non, j'ai rien. Si je vous prends celui-ci, ça serait combien votre dernier prix? Je ne sais pas trop, à 3 euros, je vous laisse. Si je vous propose 5 pour 2, est-ce que ça vous irait? Je ne veux pas trop abuser non plus. D'accord, merci. Hop. En carte Pokémon, est-ce que vous allez avoir quelque chose? Pardon, en carte Pokémon. Je vois que vous avez des cartes là. Peut-être plus tard dans la journée, quand mon fils va arriver. Oui, il n'y a pas de souci, je comprends. Je vais vous prendre déjà ces deux-là, ouais, comme je vous ai dit. Allez, pas de souci. Vous les faites combien à tout hasard les jeux? 3 euros pièce. 3 euros? Non. Vous avez des jeux plus anciens à tout hasard? J'ai ça. Que ça? D'accord. Merci messieurs, dames. Merci. Bon courage. Bonne journée. Bonne journée. 3 euros, c'est tout. En jeu vidéo, c'est tout ce que vous possédez? Oui. Même plus ancien, tout ce qui est Game Boy. Non. D'accord. Bon courage. Merci. Bonne journée. Journée. Bonjour. Bonjour. Oui, vous faites combien les livres, s'il vous plaît? 1 euro, je vous le fais. 1 euro. Et l'autre? 2 euros, ça vous va? Les deux? Ouais, non, je comprends. Ouais, je vais vous prendre celui-ci. 1 euro. 1 euro, c'est quel? Bonjour. Bonjour. Vous le vendez combien, s'il vous plaît? 3 euros. Vous en avez d'autres? Non, c'est le seul. Il est beau, hein? Ouais, je vais vous le prendre. Ouais. Je me permets, je filme parce que j'ai une chaîne YouTube. Ah ouais, sur les ouais, jeux allez-y. Vidéo, c'est pour ça. Bonjour. Bonjour. Vous avez des jeux qui vont avec? Il y a un jeu à l'intérieur, c'est Mario Kart. D'accord. Ah, dans la console directement? Ouais, dans la console directement. Vous la faites combien, s'il vous plaît? Je l'ai fait à 50, mais je peux... À 50. C'est pas des manettes officielles. Ouais. Bonjour.
Vous les faites combien, s'il vous plaît? Les jeux, là, c'est 3 euros. 3 euros? Ouais. Le film Alpha, je viens de m'acheter le Alpha là. Akira, c'est des bons trucs en plus. Albator, Dumb and Dumber, je l'ai regardé quand j'étais plus jeune. Ça, c'était le début. Hein. Ça c'est pour toi, Jo. Ce genre de truc. Il y a Crow 02 en plus, la suite. Je connais pas ça. Ça non plus. Ah, ça ouais, c'est sympa. Je l'ai pas en Blu-ray. Mais celui-là, c'est un. Bon, on vient de finir le petit VG là et on bouge sur le dernier. Franchement, trouver ça à 9h45 ou 9h30 9h30, je crois qu'on est arrivé ici. Ah, vas-y. Une aussi belle coque Bob l'éponge. Ouais, il y a des trucs, c'est incompréhensible. Le mec a niqué la vidéo. Mais. Premier vide-grenier, on n'a pas trouvé grand chose. Et au final, le deuxième, c'est là où on trouve le plus intéressant. On va sur un troisième, mais bon, je vais dire comme le deuxième, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop, mais bon, il suffit de trouver un manga, un Blu-ray, voilà, toujours content. Mais je commence à manquer de liquidité quand même. Ouais. Je vais dire qu'on s'est bien envoyé ici. Quoi. C'est sûr, c'était très cher. On peut pas dire que c'était très cher là. Mais en quantité, dès que tu en achètes un peu beaucoup, ça monte. Bon allez, je vous laisse sur les images. Ciao. Bon, on arrive sur le dernier VG. Et on n'y croit pas trop, il est 11h presque. Ouais, c'est ce que t'as dit tout à l'heure aussi. Ouais, mais j'y croyais pas du tout non plus. Franchement... Bon, on va voir ce qu'il y a là et je vous laisse sur les images. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce que ça vaut le coup. Oh, la boîte est éclatée. Ah, celui-là. Ah, j'ai les clochettes, je les ai tous. Celui-là. Non, je fais pas, Barbie. Les maîtres de l'univers, tu as vu devant. Le lac au requin, oh, je le regardais, je sais pas combien de fois ça. Quand il y avait Noël. Le lac au requin. Là, je sais pas si. Avec la petite. Chnoufka, je me rappelle plus comment ça s'appelait. Les maîtres de l'univers, c'est rigolo. Si, je me rappelle comme c'était hier, le lac au requin. Quoi. Bon, on a fait cette petite matinée vide-grenier. Là, on rentre tranquillou. Franchement. Franchement, c'était plutôt pas mal. On n'a pas à se plaindre, je pense. Non. On a trouvé pas mal de petits trucs. Rien d'extraordinaire. Si. Pour une fois, d'habitude, je dis toujours rien d'extraordinaire, mais bon, ça mange pas de pain. Là, ça mange du pain. Ça mange même. Ouais, des pains au chocolat, 1,50€. Ah ouais, là, il m'a fait mal, mais bon. Bien dégusté, celui-là. Il était pas exceptionnel en plus. Mais bon, on a attendu pas pour rien. On n'a pas attendu pour rien quand même. C'est vrai. Parce que je crois que c'est le seul vide-grenier qui nous a redonné un peu du baume au cœur. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est à chaque fois que je viens, ça porte chance. Ouais, c'est vrai que ça faisait un moment que tu n'étais pas venu surtout. Ouais. Ça faisait un petit moment. Je vous laisse sur le petit compte rendu. Pensez à vous abonner peut-être à sa chaîne. La Cosic. La Cosic. TV. Tout le monde met TV maintenant. Ouais, ouais, mais ça c'est pas la deuxième, c'est parce que maintenant je me mets à faire des vidéos un peu à la con, sinon c'est les musiques, c'est la musique tout court. Mais tout le monde a cette deuxième chaîne avec le nom de TV. Ouais. C'est pas pourquoi. Ouais, bah écoute, moi j'ai fait comme tout le monde. Ouais. Bon, je vous laisse sur le petit compte rendu, j'espère qu'il y aura l'assistante. On va essayer à clémander avec un petit bonbon. Non, je vous en boucane. Bon, je vous laisse au compte rendu. Ciao. J'ai même plus envie de faire le compte rendu à cause de vous, mais il faut que je le fasse. D'habitude, j'ai la petite, c'est plus simple. Voyez, le problème, c'est qu'il est assis sur sa chaise en origine, qu'il va s'endormir, voyez. Ah, il a un boss, il a 26 années, gros. Je vais le niquer, ce boss. T'es Iron Man que toi? Ouais, Iron Man. Il marchera pas, mec.
Pourquoi ? Il a une défaut ce Blu-ray. Il y a tous les Blu-ray qui ont été fabriqués en 2007. En... Non, sérieusement, il y a un souci de fabrication pendant 6 mois, en 2017 ou une chose comme ça, et les Blu-ray ils passent plus. Bon, nous revoilà donc pour le petit compte rendu. J'ai chopé pour 5€ des DVD, des Blu-ray. Dedans, il y avait le X-Men. Oh putain, je les sens mal les deux. Le Iron Man. Je vais pas pouvoir faire... J'ai pas l'assistante pour m'aider. Bonjour. Oh. Il y avait Disco, numéro 4. Il y a de la Gamecube. Il y a de la Gamecube. Il y avait Hellboy. Elle va tomber. Elle va tomber. L'achat de sa vie. Je suis une légende. CG7. Je connais pas. Mais bon, vu que c'est un jeu, un film Jap. Le Royce Real Steel. J'adore ton accent de l'Ohio, Texas. Il a pas dit Real Steel, il a dit Real Steel. Real Steel. Le petit Mortal Kombat de l'époque. La planète des singes, par contre, c'est gros. Ex Machina. Ça vous rappelle l'époque où vous les faisiez, les codes traduits, non? Il y a combien il y a c'est... Salut tout le monde, c'est Yoanzio. Alors, comme vous le savez, j'aime beaucoup suivre les vidéos d'autres youtubeurs qui présentent leur collection de jeux vidéo. Et je me suis aperçu donc récemment que c'était quand même beaucoup plus sympathique quand on les voyait à l'écran que caché derrière une caméra en fait. Salut à toutes et à tous, donc Conquerax, le fameux créateur du patch Conquerax sur Pro Evolution Soccer 2014. Il y a combien, il y a CK 6 ans? Moi non, sur la chaîne secondaire il y en a encore. Jamais vu celui-ci, les larmes du soleil avec Bruce Willis. Tu connais ça toi, mais il connaît les films? Non. Ça, je connais pas, putain. Il bouffe à tous les râteliers. Florence sur la forestie. Florence sur la forestie. Ça, je connais pas, putain. C'est lui qui bouffe à tous les râteliers. La femme, elle m'a dit c'est gros lolo. Je lui ai pris, j'ai passé le chasse. Moi, il y a l'OVG, il a scanné le code barre, ça lui a mis 3€ et j'ai acheté 50 centimes. Par contre, il y avait un petit lot de DVD manga. Il y avait le Pat Labor. C'est Goldorak en Corée, ça a été refait, je vais l'appeler comme ça. Magroche Plus, c'est quoi Magroche Plus? Magroche Plus, c'est le porno, mais le porno. C'est le porno. Il y avait Magroche Plus 3-2. Il y avait Akira, ça tout le monde en parle. Et il y avait Street Fighter 2 et Street Fighter 2 Alpha. Ça c'était 5€ tout ça? Ouais, 5€ tout ça. Ça vaut le coup. La femme, en fait, on a vu, elle avait écrit 50 centimes ou 4€ le tout. Et j'ai pris des mangas, donc elle m'a, des DVD, donc elle m'a dit 5€. Mais on n'y croyait pas, tu sais, on pensait que c'était un carton qui avait écrit 50 centimes ou d'autres choses en fait. Et elle nous le répétait plusieurs fois. Et en fait, elle voulait se débarrasser de tout, donc on lui a pris 5€. Ouais. Elle avait mis 50 centimes le DVD ou 4€ les 27 DVD. Pour te dire, débarrasse pour le moment. En jeu, j'ai trouvé pas mal de trucs. Maintenant, il n'y avait pas que ça. C'est l'organisation. Ah ouais, grave. Ouais, j'ai arrêté les vidéos. Ouais. Moi, je me suis mis sur un autre créneau. Je me rappelle plus dans quel ordre j'ai trouvé tout ça. Donc, il y avait le Roi Soleil. Il y avait Pokémon le Roi Soleil. Le Pokémon Soleil. Allez, tu vois, sans assistant, il y a tout qui tombe. Je devrais filmer, gros, je te jure. Il y avait un Super Mario Kart NES en loose, un revendeur 10€. Il y avait un FIFA 13 sur Wii U. Lapin Crétin sur Wii, je crois qu'il est payé 50 centimes aussi. Tu sais que c'est 50 cents. Ouais, 50 cents. Ratchet Clank, 2€, je crois. Ou 1€. 2€, je crois. Pokémon Battle, il me semble 2,50€. Et Donkey Kong Country Returns, 3€, celui-ci est nickel. Super Mario Galaxy, je crois que c'était 2,50€ également. Et en Mario Kart 8. C'est français, t'inquiète. C'est la pixel Mario Kart 8. Et Wii Party U, je crois que j'ai payé 3€ pièce. Donc Batman Arkham Asylum. En fait, je suis obligé de regarder mes deux assistants. Mais mon assistante est là pour m'aider. Les deux ne sont pas là pour m'aider, ils sont là pour me pourrir. Sans les pancartes, vas-y. Je pense qu'on va passer sur les deux meilleurs lots du jour. Ouais, un petit lot GameCube. Vas-y, je peux la présenter. Je te laisse présenter la GameCube. Ah ouais, merci. Regardez cette vidéo exceptionnelle. Improvise le secret là. Bonjour. Alors écoutez, il paraît que quand vous appuyez au démarrage sur les 4 boutons des 4 manettes en même temps, vous avez un petit son qui change. Voilà, je vous le dis. Il faut déjà avoir 4 manettes. J'essaye de faire. Non, je refais l'accent de Boya parce que je veux pas trop que ça soit dépaysé. Tu vois ce que je veux dire. J'ai pas d'accent. Non. Non. Alors écoutez, j'ai trouvé ce magnifique lot, voilà, j'étais pas là, hein, mais je l'ai trouvé quand même, par le Saint-Esprit. Gamecube en boîte. Il faut pas que tu avances, sinon ça va faire flou. Ah,
pour ça que tu te mets au fond comme ça. Et voilà, je me mets au fond. Ah. C'est pour éviter les impuretés quand tu t'approches. Ah, d'accord. Bon, bah écoutez, j'ai trouvé ce petit. Enfin, il a trouvé ce petit lot GameCube. Un beau lot quand même, hein, pour 35 euros, c'est ça que tu m'as dit. 35 euros. GameCube en boîte, une GameCube Silver en plus. Franchement, c'est pas mal. C'est pas celle qu'on voit le plus, hein, la Silver. On voit beaucoup plus la Jet Black ou la Violette, le Purple classique. Et on a. Avec un petit lot de jeux bien sympathiques. Et déjà pour commencer, Mario Kart Double Dash, qui est probablement l'un des Mario Kart peut-être les plus sous-cotés et les plus difficiles à mon sens. Toujours une bonne barre de rire, on est deux sur le kart, enfin voilà, c'est une bonne petite tuerie, un classique évidemment, donc c'est toujours cool de l'avoir dans le lot, surtout déjà quand t'as 35 euros, la GameCube en boîte et déjà ce jeu, c'était déjà une bonne affaire. En plus de ça, il y a le Sonic Mega Collection en édition Player Choice, du coup ça c'est cool, il me semble que moi je l'ai qu'en édition aussi, je fais des joueurs pour le full set. Voilà, au cas où, mais s'il y en a qui l'ont en version boîte normale, je suis preneur. Pas travailler pour le kirak, c'est pas beau, je paye ou pas Non. Ah merde. Tu me donnes un jeu. Il y a souvent des versions dégueulasses comme ça du Mario Party 5. Ouais, alors le Mario Party 5, effectivement, comme tu dis, on voit beaucoup plus de versions choix des joueurs, enfin moi je trouve, que de versions classiques. Et c'est bizarre parce qu'il y a certains jeux, tu vois, le choix des joueurs est beaucoup plus rare, par exemple le Wind Waker, tu le trouves en choix des joueurs aujourd'hui, il vaut presque plus cher qu'en édition collector, la version qu'on voit là, avec Europe 2 dessus, etc. Et le CD de Master Quest. Mais celui-ci, on le voit très souvent, donc Mario Party 5, évidemment, je le présente plus. C'est un des meilleurs épisodes de la série. Et puis, Harry Potter et la Chambre des Secrets, évidemment. Voilà, bon, c'est un classique, on le voit énormément dans beaucoup de lots sur GameCube. Harry Potter, on ne le présente plus. Voilà, Boya, j'espère que, en tout cas. merde. Et ben voilà, honneur à la GameCube. Voilà donc ce lot, 4 jeux, la GameCube en boîte, 35 euros. Boya, je te laisse la place, regarde. Et donc, après ce petit aparté qui aura duré 25 minutes sur la vidéo, on va présenter la meilleure pièce du jour. Ce que vous attendez tous. Allez, tu allez, putain, cours pas avec. Là, tu fais, regardez-moi ça, 3 euros. Même pas 3,50€, 3 euros. J'ai pas négocié, gros. Dis-le, ouais, j'ai négocié 50, t'as pas voulu, j'attends. Bon, si tu dis que j'ai négocié ça, à 3 euros, toi, frère, la toile s'embrase. J'ai dit, je fais un tour, je reviens, peut-être que je la prendrai à prendre. Hein. Les mecs, ils sortent les briquets devant leur ordinateur. Bon, y'a. Donc, pour la somme de 3 euros, j'ai récupéré ce petit Snoopy, le panorama screen en boîte. Malheureusement, il n'y a pas la notice ni le poli. Il est plutôt propre. Mais bon, ça m'étonne de trouver encore ça à 9h30. Le poli, ça se trouve, hein. Et ça se refait, mais mettre un faux poli, c'est pas trop le délire. C'est poli, hein. Tu me dis, je fais une fausse notice. Ouais, mais un poli, ça reste un poli. On s'en les couilles, hein. Eh, ils cherchent le poli d'origine la plupart. Donc je suis plutôt content à tester, voir s'il fonctionne. Donc voilà, j'espère que ce petit live vide grenier vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu des familles, de vous abonner, de commenter et de partager si ce n'est déjà fait. C'était Boya SNES, jouez bien, collectionnez bien. Ciao l'équipe, à bientôt pour une prochaine vidéo.